Saluer et une fois de plus, merci d'être toujours branché sur cette chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant. Je vous remercie parce que le nombre est sans cesse croissant. Les sujets qui y sont traités sont des sujets considérés par certains comme étant des sujets tabous, mais rassurez-vous, ce sont des sujets qui sont beaucoup plus liés avec notre spiritualité. La spiritualité n'a pas de race, la spiritualité n'a pas de religion, la spiritualité n'a pas de région, la spiritualité n'a pas un esprit que ce soit démoniaque ou angélique ou un génie ou une entité. La spiritualité c'est vous, c'est nous. Parce que nous sommes des sens spirituels, nous sommes esprits. Ceci donc étant vivant dans un monde où nous sommes bombardés par beaucoup de distractions et d'attractions, il est pour certaines personnes difficile de comprendre la connaissance connaissante et de l'appliquer dans les plus profondes méandres, pour ne pas dire aller en profondeur, pour pouvoir faire fonctionner euh, notre esprit, notre divinité, pour permettre notre divinité d'être un avec l'autre, pour exprimer ainsi celui que nous appelons à tort et à travers Dieu. Pour l'exprimer en nous et pour l'exprimer également à travers toute la création. Le travail n'est pas facile, pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel nous vivons, je l'ai dit, les distractions, les attractions, cela finit par créer ce que nous appelons des attachements. Or, lorsque vous êtes esclave des attachements. Lorsque, à cause du corps physique le plus grossier que nous avons, ce corps le plus grossier, bien sûr, c'est ce corps physique, il nous attache. C'est ainsi que notre divinité, notre esprit est attaché à cause des distractions et des attractions. Ces distractions et attractions profitent de pénétrer en nous à travers les cinq sens. Et ces cinq sens qui sont contrôlés par le, les neurotransmetteurs partant du cerveau, la grande centrale thermique électrique, qui ne peut pas résister si nous laissons une perméabilité. La perméabilité, c'est dès lors que nous ne faisons aucun exercice mystico-spirituel. Tout comme un corps physique qui n'est pas régulièrement entraîné. Lorsque vous n'exercez pas physiquement régulièrement, votre corps va en pâtir. Vous aurez le diabète parce que vous mangez n'importe quoi. Les sur quoi? surtout au pays des Blancs, tout est sucré. On met du sucre dans tout. D'où mon conseil au passage de décourager toute personne de consommer tout ce qui est boisson gazeuse ni boisson sucrée fabriquée dans les brasseries. Tout ce qui a été fabriqué par des machines humaines. Et surtout dont on sait que l'objectif, c'est le profit, ne pourra point vous apporter la bonne santé. Voilà le conseil gratuit. Donc, notre corps est déjà ligoté, je pourrais dire littéralement ligoté, parce que quand je fais la liste, je propose la liste des exercices à faire, les gens ont toujours des excuses. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est d'aider toute personne à pouvoir se développer soi-même, spirituellement. Parce que quand vous allez vous développer, je n'ai pas dit que c'est facile. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous proposer justement quelques techniques simples à mon niveau, mais difficiles pour beaucoup parce que ça sème toujours la confusion. La confusion qui. Se situe au niveau de ce qu'on appelle le, le calme mental et le vide mental. Car le manque de maîtrise de ces deux phénomènes peut vous rendre la vie difficile. Vous n'aurez pas la possibilité de maîtriser la visualisation. Or, dans toute forme de pratique spirituelle, magique, ésotérique, quand vous n'arrivez pas à maîtriser ce qu'on appelle la visualisation, j'ai déjà donné un enseignement dessus. Qu'est-ce que c'est la visualisation? J'ai déjà expliqué cela. Mais, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à faire cette technique de visualisation. Or, je vous informe que cette technique de visualisation, elle est similaire. À la technique des religieux qu'ils appellent la foi. La foi, qui est cette ferme attente des choses que l'on espère, la conviction profonde que ce que l'on espère va se matérialiser, bien que rien que par l'espoir. Mais la visualisation, c'est le niveau où, lorsque vous avez maîtrisé la visualisation, vous verrez même que vos prières vont être très efficaces. Et c'est de là où vous créez les miracles. Parce que tout ce que vous allez visualiser sans entache, sans une pensée, sans quoi que ce soit, et vous visualisez cela à l'instant I, il y aura la matérialité. Donc, comme je le disais au début de mon introduction, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que les distractions, les attractions et tout cela nous. Empêche d'accomplir nos voeux les plus profonds. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un enseignement sur, justement, au lieu de trop dépendre des rites. Parce que les rites que vous faites, ce sont des manipulations des forces de la nature. Vous forcez. Vous forcez les forces, la nature d'agir pour vous. Vous forcez les génies d'intervenir. Mais il y a des moments où vous allez faire même ces rites, vous serez bloqué. Pourquoi Parce qu'il vous manque la maîtrise de quelque chose. Même lorsque vous faites la magie opératoire, pour ne pas dire la magie cérémonielle. Je m'en souviens, lorsque je prenais des cours, je crois, le quatrième cours, avant de clôturer, parce qu'on nous donnait sept cours au total. Complet pour devenir un magicien, capable de faire des cérémonies magiques pour convoquer les entités, que ce soit du bas astral ou euh, comme vous pouvez l'appeler, les anges ou les démons ou je ne sais pas trop quoi, pour arriver à ce stade, le troisième degré, on nous exigeait de maîtriser la visualisation. Et c'est une visualisation, une vue de l'esprit parfaite, où il n'y a aucun intervention quelqu'e aucun filtrage ni aucune aucun esprit ne va vous visiter et cela est très important de comprendre cela accordez-moi une minute s'il vous plaît Alors disais-je, cette distraction provient du fait que le corps physique que nous avons est tellement bombardé par des énergies, est tellement bombardé par des forces. Euh, tout qui nous frappe à l'œil, tout ce que nous écoutons, la musique, les gens que nous voyons, les choses que nous voyons, les odeurs. Et voilà, pendant que j'étais en train de vous faire, euh, j'étais en train de vous expliquer ceci, j'étais perturbé parce que mes oreilles étaient déjà déconcentrées. Vous peut-être euh, en suivant la vidéo, vous ne pouvez pas écouter, mais j'ai des oreilles tellement sensibles. Et cela, bien sûr, résulte d'un travail spirituel, parce que nous avons des yeux spirituels, des oreilles spirituelles et tout à cause de notre corps divin. Donc aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur le fait de pouvoir vous permettre de maîtriser ce qu'on appelle le calme du mental. J'ai déjà donné un cours sur le calme du mental, mais je reviens dessus. Mais cette fois-ci, pour vous montrer, vous donner la différence entre le calme du mental et le vide du mental. Quelle est la différence entre le calme du mental et le vide du mental Calme mental, vide mental. Nous avons besoin de comprendre cela pour pouvoir maîtriser ce qu'on appelle la visualisation. Car toute magie opérative, toute magie spirituelle de, euh, 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 et de, que je peux, au départ, que j'appelle l'initiation douce, il faut maîtriser la visualisation. Dès lors que vous allez maîtriser la visualisation, vous verrez que tout est pour la suite très, 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 très facile. Je vous signale. Pourquoi Parce que votre esprit ne sera plus perturbé ou distrait par quoi que ce soit. Je disais qu'au troisième degré de la magie cérémoniale, on nous demandait de commencer à maîtriser ce qu'on appelle la visualisation. Le quatrième, bien sûr, c'était la création. Et vous verrez que tout va se matérialiser. Le secret est là. Le secret est dans la maîtrise d'abord du calme mental et du vide mental et de la visualisation. Vous verrez que tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Vous n'avez plus besoin de vous extérioriser et lever les mains quelque part. Mais pourquoi vous levez les mains quelque part Pourquoi vous êtes obligé d'avoir confiance au rituel Pourquoi vous êtes obligé d'avoir confiance à une bague ou à un talisman Mais parce que nous sommes paresseux. C'est aussi simple. La réponse est simple. Parce que nous sommes paresseux, nous sommes bien conscients, quelles que soient les religions que vous allez euh, adhérer, tout est question de l'esprit. Tout est question de votre être spirituel. Alors, la paresse, c'est que parce qu'on refuse de le réveiller, on refuse de pouvoir commencer à l'entraîner. Il y a des exercices pour lui permettre de se mettre debout. Et dès lors qu'il se mettra debout, comme je l'ai dit, dans la vidéo précédente, votre corps va être soumis au caprice de l'esprit. Alors qu'en ce moment-ci, dans la vie normale, mais c'est votre corps, euh, c est, c est, votre corps euh, euh, physique est plutôt soumis au caprice des attractions et des distractions. C'est pour cela que les gens n'arrivent pas à évoluer. Je veux dire évoluer spirituellement. Vous pouvez avoir des doctorats, 4000 doctorats, je ne sais pas trop combien, mais tant que votre esprit n'a pas atteint ce niveau, du commandement, c'est-à-dire que c'est votre esprit qui doit commander votre corps physique. Avant de prendre une décision, l'esprit intervient. Avant de d'aller quelque part, l'esprit intervient. Avant de manger, l'esprit intervient. Pendant que vous mangez, l'esprit intervient. Souvenez-vous, je vous avais dit, normalement dans les pratiques spirituelles, il vous est interdit de parler pendant que vous mangez. Parce que l'esprit doit être au contrôle. C'est pour permettre vos aliments de bien se digérer, bien rentrer dans le corps, pour ne pas dire au niveau des intestins et autres. Et vous restez 10 minutes sans bouger en potion du tailleur, comme je le suis en ce moment. Et après les 10 minutes, et même pendant que vous êtes pendant les 10 minutes, vous ne pensez à rien d'autre. Votre esprit est centré sur votre nourriture. Permettre les nutrients de s'infiltrer. Permettre le travail de la digestion se faire. 10 minutes suffisent après tout ce calme. Et 45 minutes plus tard, vous pouvez maintenant boire de l'eau. Il y a une raison derrière toute cette mécanique mystico-spirituelle. Toute cette technologie mystico-spirituelle. Il y a une raison. Donc, le mental. Qu'est-ce que c'est le calme mental? Je vous l'ai dit la dernière fois, en résumé. Le calme du mental, c'est créer un état d'esprit où vous laissez défiler, bien, vous laissez venir. Vous laissez venir toute forme de pensée qui, en réalité, sont des esprits qui vous visitent. Hein? Parce que la pensée, regardez, les, je vous ai donné, hein, dans, dans ce même, cette même chaîne, les trois formes de pensée. D'accord Les pensées, ce sont des créatures, ce sont des énergies qui vous pénètrent. Alors, ces énergies ou pensées viennent. Laissez-les venir vers vous. Laissez-les. Elles passent par vous, elles doivent défiler. Vous n'avez rien à leur, à, à, à leur dire. Donc, vous laissez ces pensées-là défiler. Et vous restez dans une, strict, une stricte neutralité. Ne rentrez pas dans ces pensées. C'est pour cette raison que certaines personnes, même étant au travail, pendant que vous lui parlez, il est là, il vous regarde. Même moi, vous lui demandez Est-ce que tu es avec nous ah, oui, oui, je suis. Euh, pardon, j'étais déjà au village. Vous Voyez pourquoi Mais parce que au lieu de laisser ces pensées partir, vous n'avez pas appris à discipliner ces pensées. Euh, vous n'avez pas appris, vous n'avez pas maîtrisé la technique de laisser passer ces pensées-là, mais vous vous êtes embarqué dans ces pensées. Alors, premier point très important, le calme du mental, c'est quoi C'est laisser le flot des pensées qui viennent vers vous. Il y en a des millions de pensées, je vous en prie. Ah oui, oui. ce sont des pensées que vous-même vous avez créées au départ parce que vous avez eu la colère contre quelqu'un, parce que vous avez argumenté avec quelqu'un. Donc, toutes ces pensées reviennent parfois et aussi, comme je vous l'ai dit, ce sont d'autres personnes qui sont en train de parler. Parce que la pensée est une parole qui vole sous forme de l'esprit, sous forme de l'énergie. Donc, laissez ça. Restez strictement dans cette neutralité. À partir d'aujourd'hui, la vidéo elle est pourtant disponible hein, ici. La raison pour laquelle je vous donne cette technique, c'est parce que les gens. Certainement, à partir de demain dimanche, les gens vont commencer à m'écrire, partout, 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 partout. Toujours les problèmes. Moi, je, je suis vos vidéos spirituelles, ça m'aide, Mais j'aimerais que vous puissiez venir m'aider. Mais est-ce que le but de mes enseignements, c'est de venir vous aider à résoudre vos problèmes matériels C'est de venir vous aider à vous élever spirituellement. C'est venir vous aider afin que vous puissiez pratiquer les exercices spirituels que je vous donne. Donc, aujourd'hui, à partir de ce jour. Faites-moi cet exercice. Premièrement, avant de rentrer dans cet exercice, vous faites les techniques de respiration. Et je vais vous montrer deux formes de techniques de respiration, prélude à la technique de pouvoir créer le, 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 le calme mental et le vide mental avant de partir à la visualisation. La première technique, c'est celle-ci. Vous voyez comment mes doigts sont. C'est avec ceci, voyez, voyez ma main, je ferme la narine droite, je garde mon corps bien droit, je vais m'asseoir en lotus complètement, et là, je pose ces deux doigts sur mon front. Mais avant cela, je respire pendant dix fois, inspirer, respiration, et cette respiration se fait par les narines dix fois. Mais pendant que je respire par mes narines, c'est le ventre qui reçoit, pas la poitrine. Je démontre. Avant d'en arriver là, donc, je crée des conditions mentales. Ma colonne vertébrale est droite, je ferme les yeux. Je relaxe tout mon corps. Relaxation totale. Je regarde au-dessus de ma tête. Je regarde mes oreilles, je regarde ma poitrine, je regarde mes deux mains, je regarde mes pieds, je regarde mon ventre, je regarde tout mon corps extérieurement, je le regarde. Et je me concentre sur le nez. Et puis je commence ma respiration. dix fois je garde tous les yeux fermés donc après avoir fait ceci je respire par le bas ventre pas par la poitrine je ne fais pas ceci non pas du tout interdit c'est je respire par le ventre j'inspire et j'expire par les narines et non il y a deux formes de respiration maintenant vous allez apprendre cela et ces deux formes de respiration se passent au niveau du ventre. Mais la deuxième forme de respiration, là, on expire par la bouche. Ça, c'est la deuxième forme. Troisième, maintenant, deuxième technique. Les yeux toujours fermés une fois que vous avez fait vos respirations. Ce doigt-ci, ici, vous bouchez la narine droite. Vous bouchez la narine droite. Et vous inspirez en posant ces deux doigts sur le front. Vous bloquez et vous comptez jusqu'à 12. 12. Et vous ouvrez la narine droite et vous expirez en comptant jusqu'à 24. Comptez 12. Vous fermez. Vous inspirez et vous comptez 24. Donc, une fois que vous avez fait ces respirations, vous reprenez les respirations du début. Dix fois. Et une fois, vous l'avez fait. Passez maintenant à la pratique. Vous fermez les yeux. Regardez le flot des pensées qui vous défilent dans l'esprit. Les pensées défilent. Les pensées défilent. Ne concentrez pas votre attention sur une pensée quelconque. Laissez-les défiler. Il y a un flot de pensées. Moi, j'avoue que je n'ai aucune pensée là où je vous parle. Parce que je suis habitué à créer ce vide-là, ce calme. Donc, vous laissez ces pensées, exercez-vous à le faire pendant au moins trois semaines pour des meilleurs résultats. Je répète, minimum trois semaines pour ceux qui sont nouveaux, pour des meilleurs résultats. Faites les techniques de respiration. Les techniques que je viens de vous montrer, l'autre, ça, elle est africaine. OK Ça, j'ai appris ça en Afrique, cette respiration dix fois pour remplir le bas -ventre avec votre prana. Par contre, celle-ci, c'est le prana yama yoga. C'est au Tibet. Vous comptez 12, 24, jusqu'à 36 si vous êtes fort. Pourquoi cet exercice de respiration du prana yama yoga Souvenez-vous, je vous ai toujours dit que notre corps a 36 000 chambres énergétiques, mais on les appelle des canaux, des channels. Il y en a 36 000. Maintenant, chez les hindous, ils disent qu'il y en a 75 000. Donc, cette technique de respiration vous permet en fait de permettre le prana de s'introduire et d'ouvrir, créer la circulation libre des fibres électriques, des énergies qui sont dans ces canaux. D'accord chaque canal au niveau de notre corps a des milliers d'énergie. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle euh, les chakras ou encore les centres énergétiques. Mais ces centres énergétiques, si vous voulez, c'est la centrale thermique liée avec le cerveau sur lequel le cerveau est posé. Et il y en a sept. D'accord Et ce sont ces sept chakras-là qui partent à la racine et montent jusqu'à ce qu'on appelle en anglais le crown, from the root all the way up to the crown, en passant par euh, le chakra cardiaque et celui de la gorge et celui du troisième œil, du troisième œil qui est le sixième. Ça, ce sont à ne pas confondre. Ça, ce sont des centres énergétiques qui sont formés en, en forme de bol et ce sont eux qui vous permettent de naviguer de maîtriser c'est surtout de maîtriser le monde spirituel. Par exemple, le chakra sacré, celui-là déjà, vous avez la capacité de comprendre le monde métaphysique, de communier avec les esprits de l'au-delà et autres. D'accord Voilà. Par contre, les 36 000 canaux dont je vous parle qui sont dans notre corps, c'est situé dans tous les organes, dans tous les différents membres du corps, et il faut savoir les activer. Et dans le chinkon, vous allez l'apprendre. Et sur cela, il est indispensable de faire des massages. D'accord Si vous n'avez pas un masseur ou une masseuse, il est grand temps d'en avoir un. Donc, bref. Le mental, donc, vous avez réussi à faire ce calme. Exercez-vous. Maintenant, à quel moment intervient le vide Mais comme le mot le dit, le calme du mental, c'est d'estomper le défilé de tout, le flot de toutes les pensées qui vous visitent. Mais de manière naturelle, vous restez neutre, vous laissez, vous laissez dans une neutralité absolue, à un moment, donc, ça va se ralentir tout seul. Et une fois, ces euh, pensées, le défilé des pensées, se dissipe et se calme, le calme, voilà, le calme est réalisé. En ce moment, vous passez à la deuxième phase, qu'on appelle le vide. Donc, après, ce grand flot des pensées, les pensées, au moins, vont s'estomper, vont s'arrêter. Et après, qu'est-ce qui se passera Une fois, pardonnez-moi, le flot de pensée. Arrêtez. Vous passerez maintenant à la phase du vide. C'est là où vous allez. Ça dure quelques secondes. Vous allez vivre donc cette expérience du vide. Plus rien. Plus de pensée. Tout est vide. Waouh! Pourquoi je dis waouh wow? Parce que tout être humain est visité par des millions d'idées, de pensées. Donc vous comprenez qu'il vous faut beaucoup de discipline. Hein? Et ce n'est pas facile. Si vous passez votre temps à écouter du rap, de n'importe quelle musique bizarre, je ne suis pas contre le rap. Ceux qui l'aiment continuent à aimer. Mais moi, je vous dis, c'est tout ce qui rentre là. Ça nous perturbe. Tout ce qui sort et rentre, ça nous perturbe. En réalité, ne devait sortir de vous que tout ce qui est sain. Ne devait sortir de vous que tout ce qui est positif. Ne devait sortir de vous que tout ce qui est énergétique. Donc la différence entre le vide mental et le calme mental, c'est la suiv La différence se situe ici. Le calme mental consiste pour vous de laisser le flot des pensées et des énergies qui vous pénètrent. Vous les laissez, vous ne rentrez pas, ne vous faites pas emporter. Oh Juliette, est-ce que tu es avec nous Ah, pardon, ah, je suis là. Ah, tu as les yeux ouverts, tu es en train de parler. Le patron te parle, tu le regardes dans les yeux comme si tu le dévorais alors que tu es déjà parti à Moabi. Pourquoi Parce que vous êtes embarqué dans la pensée. Au lieu de vous embarquer, débarquez-vous. Soyez neutre. Toutes les pensées qui viennent là. Maintenant, le deuxième exercice sera celui qui consiste à engueuler vos pensées. Ça, j'ai appris ça auprès de mes amis brésiliens. Engueuler les pensées. La pensée vient, hum, hum, ça c'est pas moi. Ça comment c'est comment? Pourquoi je me retrouve à Mwabi? Ah, Sors de moi. Pourquoi? Passer à sûrement un sorcier de Mwabi qui est en train de penser à vous. Il y a sûrement une sorcière d'un Gaoundéré au Cameroun qui est en train de penser à vous. Peut-être que c'est votre propre parent. Donc, quand vous allez apprendre à rester dans la stricte neutralité, de ne pas vous embarquer dans ces pensées, et ensuite, si vous n'avez pas la force de réussir ce premier exercice, prenez l'alternative la, 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 que je vous propose. C'est de pouvoir blâmer, engueuler les pensées. Mais faites ce travail dans le silence absolu. C'est mentalement que vous engueulez les pensées. D'accord? C'est très important. Maintenant, une fois que vous allez réussir à engueuler ces pensées, les blâmer, les blâmer, les blâmer et refuser de s'embarquer, les pensées là vont faire quoi Vous ne prêtez pas attention qui vient de quelqu'un qui vient vous rendre visite dans votre maison. Et vous le regardez seulement. Vous regardez, vous l'ignorez. Qu'est-ce qui va se passer Mais la personne va partir. La pensée, c'est une personne qui vous visite. La pensée est une énergie qui vous visite, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais qui insiste de frapper à votre temple? Votre corps est le temple divin. Ce temple divin, vous devez veiller à ce qu'il n'y ait aucun visiteur. Or le temple divin, il est il y a un radar qui contrôle ce temple, c'est votre cœur. Or le cœur, c'est justement votre centre émotionnel qui est influencé par quoi? Par le corps mental, souvenez-vous. Et le corps mental, lui il n'a rien d'autre à foutre. Lui, il ne veut pas garder. Il veut envoyer vers le cœur. Mais votre rôle maintenant, à partir de vos émotions et de votre cœur, c'est de chasser. Mais comment chasser Soit vous engueulez, soit vous regardez. Viens, 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 viens rentrer dans mon temple. Moi, je suis là. Tu, tu ne sais pas que je suis le gardien de mon temple. Tu ne sais pas que je suis la gardienne de mon temple. Eh bien, lui il va rentrer dans le temple. Il regarde. Personne ne s'intéresse à moi ici à okay. J'ai fait quoi ici même Lui-même, il va retourner. Voilà le sens pratique. De laisser le flot de pensées vous visiter sans prêter attention, comparé à un individu qui vient frapper à votre porte, mais bêtement vous ouvrez. Oui, 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 entrez. Mais c'est fini. Et la personne va vous amener quoi Oui, là-bas au village on souffre. Vraiment, ça ne va pas. Oh, mais moi, il y a le cousin qui veut se marier. On a besoin de ta participation. Oh, si... mais, franchement, tu ne pouvais pas me téléphoner Oh, ça fait trois jours que je ne mange pas. Est-ce que tu as mangé ici? Voilà ce qui se passe en Afrique. Donc, tout ce qui se passe dans le plan physique, c'est la même chose dans le plan métaphysique. Vos pensées, ce sont des personnes réelles. Certains, vous ne les connaissez pas. D'autres, vous les connaissez. D'autres, ceux-là qui vous agressent, les pensées surtout de suicides, les pensées très fortes qui vous ramènent encore à trop penser à un parent. Mais c'est le mec il est allé voir un charlatan. Bon écoute le parent là depuis qu'il est parti là rien il ne pense même pas à moi non pardon fais-moi un médicament là. Je vais lui troubler je vais lui envoyer l'esprit de trouble. Mais votre corps est troublé vos émotions le cœur qui bat n'importe comment. Mais là vous êtes embarqué d'accord donc le vide c'est la réalisation de non existentialité de la pensée. Je répète est-ce que le volume est bon. Le vide c'est la non existentialité de la pensée la pensée consciente ou inconsciente sous forme énergétique qui vous a visité mais dont vous avez refusé. Vous avez simplement fait deux choses. Soit vous avez laissé, vous êtes resté dans une position de neutralité absolue en train de laisser la pensée vous visiter et vous ne prêtez même pas attention, vous vous en foutez. Vous restez dans votre état de neutralité, les pensées rôlent autour de vous. Vous ne vous embarquez point. Je sais que ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je vous prie de pouvoir faire tout pour que les séminaires aient lieu. On reprenne les séminaires. Parce que c'est au cours des séminaires que cet aspect-là, je peux bien expliquer ça de manière pratique. D'accord Et, une fois, si vous n'arrivez pas à maîtriser ce côté de laisser rester dans la neutralité absolue, parce que pour vous, il y a toujours une mouche qui va vous piquer, quelqu'un insiste, frappe à la porte, vous tremblez, vous allez ouvrir. Bon, si vous êtes ce genre d'individu, dans ce cas, blâmez. Toi, c'est qui Oh, mais c'est ma barconne. Oh, retourne, moi, je ne veux pas te voir. Moi, j'ai mes problèmes. Mais toi aussi, mon Dieu, Mais tu, tu deviens bizarre. Oui, 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 je dois rester dans ma bizarrerie. Sors, je ne veux pas, je ne veux pas. Vous voyez Je ne vous le cache pas. Moi, je l'ai fait, mais pas en parlant. J'ai mis les papiers devant ma porte. Ceux qui me connaissent à port Antique, ils peuvent vous le témoigner. Les papiers partout. Monsieur Moreau nous vient ne reçoit que sur rendez-vous. M. Moréo nous vient ne reçoit qu'à partir de 1h du matin. Mais qui va venir te visiter à 1h du matin C'est une manière de les décourager. Monsieur Moreau nous vient médite. De 7h du matin jusqu'à midi, M. Moreau nous vient au retour de son travail à 18h. De 19h jusqu'à minuit, M. Moreau nous vient pris. Technique d'invocation des démons. Je ne vous cache pas, alors que je ne le faisais pas. C'est une manière de faire fuir les gens. J'ai laissé ça devant mes portes. Mais qui va encore venir me visiter? Sauf mes parents qui me connaissent très bien, à qui je disais, écoutez, j'utilise les gens que, qui, qui, qui me connaissaient, que je, je disais, non, c'est des stratégies. Mais toi, tu peux venir. Parce qu'il y a des gens qui, qui s'ennuient, qui ne font rien. Foutre. On les appelle euh, des nuisibles. Il y avait pourtant à l'époque le travail au Gabon. Mais des cousins qui viennent, oh non, vraiment, euh, Yagi, pardon, nous, euh, on n'a pas mangé hier, mais franchement. Vous refusez de travailler. Vous voulez dépendre des femmes. La seule chose où vous êtes fort, c'est d'aller sur les femmes et boire le mouchongo. Voilà donc la deuxième forme. D'arrêter le flot des pensées, c'est de blâmer les pensées. Mais je ne vous ai pas demandé de dire, mais toi, la pensée là qui me demande d'aller voir Machangala, toi c'est qui Non, je ne vous ai pas demandé de parler, mais c'est de le blâmer mentalement. Et vous verrez que les pensées qui persistent, elles vont finir par tomber devant votre porte parce que vous n'ouvrez pas la porte. Et c'est là où se crée le vide mental. Maintenant, la troisième et dernière, si, dès lors que vous allez faire ceci pendant au moins trois semaines, vous verrez vous-même. Vous pouvez maintenant réussir à faire la visualisation. Visualiser veut dire tout simplement créer des images de ce que vous voulez concrètement. D'accord Je prends un exemple. Uh, where, am I? where is my wallet Ok. Bon, je prends un exemple. Vous voulez de l'argent. Je crois que je vous ai déjà montré la technique. Bon, c'est dommage. Là, je n'ai pas, pas les billets de 100 dollars. Là, j'ai les billets de 50. D'accord Là, je prends un exemple. 50. Où sont les 100? Il n'y a pas les 100. Il n'y a que les 50. 20. Anyway, voilà. Vous avez ceci. Dans la tête, dans votre tête, là, vous créez la visualisation. Vous voyez, l'argent est là, n'est-ce pas? Mais il faut avoir le pouvoir aussi de créer l'image. Oh, Pardonnez-moi. Bon, J'ai les, les billets de 100 dollars quelque part. Vous allez créer l'image. Vous voyez ce monsieur. Vous devez créer cette image. Ça, c'est le billet de 50 dollars. Vous devez créer l'image, là. Mais c'est mieux de travailler avec le billet de, de 100. Je ne sais pas où est-ce que j'ai laissé. des billets de 100 dollars. Pourtant, j'en avais quatre, là. Je ne sais pas là où je les ai déposés. Mais anyway. Visualiser, donc, veut dire quoi? Par exemple, si vous pensez, vous voulez de l'argent. Vous visualisez. Ça veut dire que vous créez l'image de l'argent. Mais attention! Vous n'allez pas seulement venir vous asseoir. <laughs> l'argent, moi je veux l'argent tout de suite. Non, non, non. Il faut d'abord faire les techniques de respiration, comme je vous ai indiqué. Respirez dix fois. Après la respiration de dix fois. Vous faites maintenant la respiration tibétaine. Le doigt comme ci. D'accord? Le doigt est comme ça. Regardez comment ça se trouve. Ici. Vous voyez Ici. Inspiration. Vous comptez jusqu'à 12 mentalement. Et ensuite, vous bloquez la respiration. Vous comptez jusqu'à 24, ensuite vous chassez 12 fois et vous changez de côté et vous inversez. Vous allez voir, vous créez la pression dans tous les canaux. Parmi les 36 000, moi je me contente de celles que les Chinois m'ont apprises. Ça là, il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi les Mazdéens, les Japonais. Ils sont tombés sur le même nombre. Bon, moi, ce n'est pas là où les Indiens ont pris les 75 000. Donc, tous ces canaux-là vont recevoir une pression. Et cette pression nous va permettre en sorte que tous ces canaux énergétiques se mettre en marche pour votre bénéfice et vous ne tomberez jamais malade et ça va aider votre corps mental d'être très, très fort et renforcer votre technique de visualisation parce que la visualisation c'est vous qui maintenant vous faites une demande et là il n'y aura plus une pensée... dès que la pensée veut venir vous revenez blâmer la pensée toi je sors de me démarre, toi pour toi qui me perturbez pourquoi vous voyez c'est cela mais je conseille de maîtriser d'abord la technique de création du calme du mental Jusqu'à la non-existentialité de de, de, du flot des pensées pour créer le vide, exercez-vous pendant au minimum trois semaines, voire trois mois, minimum trois semaines, pardon, jusqu'à trois mois maxi, une fois que vous avez maîtrisé cela, appliquez la technique de visualisation. J'ai pris l'exemple de l'argent. Vous pensez seulement, euh, pas en penser, vous visualisez. Vous visualisez l'argent. Pourquoi Mais parce que le but de calmer les, les, les pensées, le but de créer le vide. C'est pour vous permettre votre esprit, dans son entièreté, d'être concentré uniquement sur un élément. Voilà l'objectif de la visualisation. Vous visualisez la visualisation va vous permettre de rentrer en contact direct avec ce que vous désirez en surexcitant votre subconscient par des techniques d'affirmation, lesquelles se passent de manière interne. Voilà l'argent qui est là c'est cet argent que je veux. Et vous visualisez le montant que vous voulez 1 million, 1 million de dollars, 100 millions de dollars. Mais n'osez pas faire comme dans la religion. Seigneur, je te demande d'aller troubler le cœur du premier ministre pour qu'il m'envoye 10 millions. C'est faux. On ne prie pas comme ça. C'est de fausses prières. Là, vous commandez à Dieu. C'est comme si vous êtes maintenant le chef de Dieu. Vous donnez maintenant des ordres à Dieu. On ne donne pas des ordres à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Vous visualisez les gros billets de banque. C'est tout. Le comment, oh. Le pourquoi, oh. Ça là, ne demandez pas à Dieu. Ne dites pas. C'est toi-même, Dieu, qui a dit que demandez et vous recevrez. C'est toi-même Dieu dans ta parole qui a dit dans Matthieu 7, 7, demandez, recevez. Il n'est pas écrit que vous allez demander et puis vous recevez, vous allez recevoir. Non, 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 non. Demandez, recevez. Demande et tu reçois. Tout de suite. Ici et maintenant. Voilà le principe de la visualisation, qui en réalité est synonyme de création. Parce que quand vous créez, forcément, il y aura la matérialisation. Car c'est à la somme de l'accumulation énergétique de vos pensées concentrées en l'essentiel. En un, en un élément bien précis, vous allez donc vous concentrer. Donc la concentration qui consiste à fixer vos regards et mystique et vos regards spirituels et votre regard physique et votre cœur par vos émotions, vous émettez des émotions sur un élément unique qui est le million de dollars. Mais vous ne dictez pas au subconscient universel que vous appelez Dieu de comment cela va venir. Vous ne décritez pas que bon, l'argent là, eh, ça doit être le premier ministre qui doit venir me donner l'argent là. Ça doit être le général Mabako qui doit donner ça à ma copine. Non, 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 non. non. Vous n'avez pas le droit de donner d'ordre. On ne donne pas de l'ordre comme cela. On visualise. Et une fois que vous avez visualisé, vous parlez avec autorité en disant ceci que j'ai déjà ce montant. Je l'ai ici et maintenant. Mais ne demandez pas le comment. Ne donnez pas les ordres comment. Non. Veuillez visualiser la vidéo qui est sur ma, euh, ma page Facebook, intitulée La prière de la folie. Là, je donne une technique aux chrétiens. Comment prier à la folie. Vous faites asseoir une chaise toute blanche, couverte d'un tissu blanc que vous avez acheté. La chaise n'a pas été personne. Bon, bref, allez-y suivre la vidéo. J'explique toute la technique. Et ça a toujours marché. D'accord? Voilà donc brièvement ce qu'on appelle le calme du mental le vide mental et la visualisation. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si tout ce que j'ai dit vous a plu, veuillez s'il vous plaît partager au maximum, likez au maxi. Ça pourra sauver des vies. Et ça va vous épargner de l'argent d'aller voir les nganga, d'aller voir des marabouts, vous donner des gris-gris, des joujou pour avoir l'argent. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes vous-même le véritable talisman. Vous êtes le joujou. Vous êtes la magie. Vous êtes la bague. Vous êtes tout. Vous êtes la chaînette. Vous êtes l'arbre aux mille pouvoirs, c'est vous. Apprenez, n'oubliez pas que c'est ça l'objectif de cette chaîne. C'est pour vous apprendre à être autonome, c'est pour vous apprendre à l'auto-initiation, c'est pour vous apprendre à vous connecter avec vous-même, à vous connecter avec votre esprit original, car nous sommes esprits. Ne l'oubliez pas, nous sommes esprit. Et notre esprit doit commander le corps. Notre corps physique doit obéir à notre esprit. Apprenez-le et répétez-le tous les jours. C'est vous qui êtes aux commandes de votre corps physique. Le sexe n'a pas le temps de vous distraire. La nourriture n'a pas le temps de vous distraire. Les politiques n'ont pas le droit de vous distraire. Tous ceux qui ont énergie négative n'ont pas, pas le droit de vous distraire. Soyez tous bénis. Et surtout, bon week-end. Dimanche, lundi, mardi, ne me dérangez point, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas. Merci beaucoup.